Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons discuter aujourd'hui un sujet qui s'intitule La Bible, une puissance de la parole et de Dieu. La Bible, une puissance de la parole et de Dieu. Avant de commencer, inclinons-nous pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, couvre-nous de ton Saint-Esprit. Aidez-nous à comprendre ta parole et ta volonté au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc le sujet d'aujourd'hui est un peu différent car il s'agit des questions et des réponses. Nous allons voir ensemble comment ou en quoi la, la Bible est, un, était, est une puissance de la parole de Dieu. Nous, nous savons très bien que la Bible est une inspiration divine. La Bible parle de Jésus-Christ. Jésus est au centre des saintes écritures, à partir de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus est au centre des saintes écritures. Nous allons voir comment la parole de Dieu est une puissance. Comment la Bible est une puissance de la parole de Dieu. Nous commençons par la première question. Par quels moyens Dieu a-t-il créé l'univers? C'est la première question que nous que nous commençons à nous poser. Par quels moyens Dieu a créé, a-t-il créé l'univers Eh bien, nous lisons dans le livre de Psaumes, le Psaume chapitre 33, les versets 6 et verset 9, la parole de Dieu nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc la Bible nous dit que les cieux et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Donc la Bible est aussi appelée la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance. Elle est puissante. Elle est une, elle, la parole de Dieu est puissante. et Elle peut te recréer de nouveau. Elle peut nous recréer et peut nous transformer. Donc la parole de Dieu peut te transformer et elle peut te recréer de nouveau. La deuxième question quelle transformation se produit à ceux qui acceptent de vivre en Christ. Quelle transformation qui se produit à ceux qui acceptent de vivre en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si quelqu'un accepte Jésus-Christ, il doit y avoir une transformation dans sa vie. Donc sa vie intérieure doit changer et cette vie intérieure doit s'extérioriser et elle devient visible. Ce qui est à l'intérieur est visible, s'extériorise à l'extérieur. Donc dans son mode de vie, tout doit paraître qu'il y a eu un changement dans la vie de cette personne de cet individu. La troisième question est la suivante. Que dit Jésus au sujet de naître de nouveau On parle de naître de nouveau, mais que dit Jésus à propos de naître de nouveau Eh bien, Devenir une nouvelle créature ne se produit pas d'un coup euh, ou bien euh, accidentellement. Il, il faut d'abord et avant tout naître de nouveau. Donc, pour qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait la, une nouvelle naissance. Alors, comment cela se produit et Donc, qu'est-ce qu que Jésus dit à propos de naître de nouveau Alors, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 3, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 3, nous lisons ensemble. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas, non, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus qui répond à Nicodème qui est allé le voir pendant la nuit, eh bien, Jésus qui lui dit qu'en vérité, en vérité, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, naître de nouveau est très important. Jésus dit que c'est un prérequis pour voir le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume. Céleste. Plusieurs des gens commencent à prêcher, à enseigner, à dire que le baptême n'est pas une obligation, euh, tu peux ne pas être baptisé et aller au ciel. Donc, des enseignements démoniaques commencent à prendre de l'ampleur, les gens commencent à ne pas prendre le baptême au sérieux. Mais Jésus, lui qui nous garantit le ciel, voici ce qu'il nous dit il faut qu'il y ait la deuxième naissance. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Question numéro 4, c'est par quels moyens quelqu'un naît de nouveau. C'est par quels moyens quelqu'un naît de nouveau. Eh bien, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, la parole de Dieu nous dit puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. De Dieu. Donc, c'est par la voix de la parole de Dieu que nous entamons le processus de naître de nouveau. Donc, la parole nous transforme, elle nous donne le désir et la puissance de naître de nouveau. C'est l'effet de la parole de Dieu qui fait ces choses en nous. Elle nous transforme, elle nous donne le désir, elle nous donne la puissance de naître de nouveau. Question numéro 5 qu'on qu voit ensemble. Quels sont les arguments de base qui fournissent des preuves de la puissance de la parole de Dieu? Y a-t-il des arguments de base qui fournissent donc des preuves de la puissance de la parole de Dieu? Nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 32 et verset 36, la parole de Dieu qui nous dit Pendant que Jésus prononçait la parole de Dieu par sa bouche, des gens témoignent de sa, de sa puissance. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Tous firent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole Il commande avec autorité et puissance aux esprits et aux empires, et ils sortent. Donc les gens qui se questionnés, les gens écoutaient Jésus, ils entendaient la parole puissante seulement et sortir de la parole de la bouche de Jésus. Les gens écoutaient Jésus en train de parler. Il parlait avec autorité et les gens se posaient des questions. Et donc c'était une parole puissante non seulement de, de transformer, mais aussi de chasser les démons. Les, les démons euh, étaient chassés par la parole que Jésus prononçait. Donc voici la preuve hein, jusqu'où, à quel point la parole de Dieu est puissante. La question numéro 6, à l'époque de l'Ancien Testament, comment Dieu a-t-il apporté la guérison à son peuple À l'époque de l'Ancien Testament, comment Dieu a-t-il apporté la guérison à son peuple Parce que nous venons de le voir dans le Nouveau Testament, mais qu'en est-il de l'Ancien Testament nous avons vu que la parole de Dieu a de la puissance et nous venons de le voir dans le Nouveau Testament. Donc, qu'en est-il de l'Ancien Testament Dans le livre de Psaume, chapitre 107, au verset 20. Psaume, chapitre 107, au verset 20, la parole de Dieu nous dit Il a envoyé sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Donc, Dieu a envoyé, a envoyé sa parole pour sauver son peuple. Dieu a envoyé sa parole pour sauver son peuple. Par exemple, nous voyons le cas de Moïse. Dieu a envoyé Moïse d'aller sauver son peuple dans, en Égypte. Dans l'esclavage, ils ont passé 300, 430 années de servitude. Dieu a choisi Moïse, il l'envoie en Égypte avec une parole qu'il prononça à Pharaon. Et Pharaon qui a... Qui a refusé d'obéir à la parole de Dieu, nous savons ce qui ce qui qui ce a qui a suivi. Nous connaissons la suite. Donc la parole de Dieu est puissante. Il faut la prendre au sérieux. Question numéro 7. Où Dieu veut que nous mettions la parole du Christ. Où Dieu veut que nous mettions la parole du Christ. Est-ce qu'il faut que la parole du Christ reste seulement dans la Bible? Mmh, il faut que reste, la Bible reste rangée dans nos belles armoires, dans nos maisons, dans nos appartements, et c'est le cas. Est-ce qu'il faut que la Bible soit rangée dans nos, dans nos valises, ou bien faut-il continuer à faire de la collection des Bibles? Mmh? Allons dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, 1 Colossiens chapitre 3 verset 16. Il est écrit que la parole de Christ, de Christ habite parmi, parmi vous abondamment. Instruisez-vous et ex exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Chanta à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, cette parole doit habiter dans nos cœurs. La parole du Christ, la parole de Dieu doit habiter, doit demeurer dans nos cœurs. Nous devons la lire, nous devons la comprendre, nous devons la mettre dans nos esprits. Nous devons avoir le temps, chers amis, de lire la parole de Dieu. Tous les jours. Nous, nous avons un problème aujourd'hui si nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu sur une base quotidienne. Une famille. Qui n'a pas le temps de, de se rassembler pour étudier la parole de Dieu. Et, et ensemble, c'est une famille qui est en danger. Si le chef de la famille n'invite ne, 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 pas tous les, les membres de la famille à venir s'asseoir, étudier la parole de Dieu, avoir un moment d'étudier la parole de Dieu, cette famille fait face à un grand danger. Donc, nous devons avoir le temps, nos emplois, nos doigts. Va pas nous empêcher d'avoir le temps d'étudier la parole de Dieu. C'est cette manière-là que nous allons grandir. Si tel n'est pas le cas, si tel n'est pas possible, il faut changer cet emploi. Peu importe la nature de ton travail, si elle te prive du moment précieux d'étudier ta parole et de ta famille et de ta maison, cet emploi doit être changé. Car tu as un problème avec Dieu. Car ta famille fait face à un grand danger. Alors au verset 8. Est-ce que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus peuvent-ils recevoir sa parole? Les gens qui n'ont pas uh, encore reçu Jésus dans leur vie, est-ce qu'ils est, est qu peuvent recevoir sa parole? Dans Jean chapitre 5, verset euh, 38, il est écrit, Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ce sont des paroles de Jésus. La Bible nous dit que ceux qui refusent Jésus, sa parole ne demeure pas en eux. La parole de Dieu n'a pas sa place dans leur cœur. Chers amis, vous devez accepter Jésus dans vos vies. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, si vous n'avez pas encore embrassé le message du Christ, il est temps, il est grand temps d'accepter Jésus dans votre vie. Car sans Jésus, vous n'allez nulle part. Sans Jésus, vous n'avez rien, vous n'espérez rien du tout. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors du de Christ. Verset, question numéro 9. Comment la parole de Dieu opère-t-elle dans la vie des chrétiens, dans nos vies, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Et quand je parle des chrétiens, je ne parle pas dans le sens général et tout qui qui sont qui qui, sont, qui prétendent être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Eh bien, il, faut, il suffit de retourner dans la Bible pour voir l'origine du mot chrétien et qu'ils étaient des chrétiens bibliquement par là et non pas tous ceux qui suivaient Jésus sans faire ce qu'il commande. Ce ne sont pas ces chrétiens-là dont je parle. Je parle des chrétiens par la définition biblique. Hmm. Alors, comment la parole de Dieu opère t elle dans la vie des, des chrétiens Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 Au verset 13 1 Thessaloniciens chapitre 2 Au verset 13 La parole de Dieu nous dit C'est pourquoi nous rendons continuellement Grâce à Dieu De ceux De ceux, de, de ceux qui en recevant la parole De Dieu Que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçue non, comme la parole des hommes, mais, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, lorsque tu acceptes la parole de Dieu, lorsque tu la reçois, elle, est, elle, elle commence à faire son travail dans ta vie. Donc, ta vie commence à ressembler à la parole que tu as lue. Et c'est ainsi que tu es transformé. Lorsque la parole de Dieu demeure à nous, elle nous sanctifie. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean, dans Jean chapitre 17, verset 17, Sanctifie l'air par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc Jésus sait que la parole, que lorsque cette parole habite à nous, elle, 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 non seulement elle nous transforme, mais aussi elle nous sanctifie. La question numéro 11. Comment un génome peut-il rendre pire peut son sentier? Comment un génome peut-il rendre pire son sentier? Allons dans Psaume chapitre 119 verset 9. La parole de Dieu nous dit, Comment le génome rendra-t-il pire son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, c'est en se dirigeant auprès de la parole, après la parole de Dieu, auprès de Jésus, que le génome pourra purifier son sentier. Et un appel à tous les jeunes ici, et ainsi que les adultes. Si tu veux vaincre Satan, ne remplis pas ton cœur par des films d'Hollywood, de Bollywood, de, de Nollywood, ou de Bongo Flava, et ainsi de suite. Si vous voulez vaincre Satan, remplis ton cœur par la parole de Dieu. Arrête d'écouter les musiques mondaines. Arrête d'écouter les stars de ce monde. Remplis ton cœur par sa, la parole de Christ. Si tu remplis ton cœur la parole de Dieu, si tu l'obéis, elle te guidera dans ton chemin. Dans Psaume chapitre 119 verset 105, il est écrit ta parole est une lampe à mes pieds est une lumière sur mon sentier. Question numéro 12 et la dernière. Donc la dernière question numéro 12 que nous voyons ensemble dans cette étude est la suivante. Quel est l'effet lorsque vous acceptez la parole du Seigneur? Quel est l'effet lorsque vous acceptez la parole du Christ? Eh bien, dans Psaume chapitre 119, verset 11, il est écrit Je sers ta parole dans mon cœur, Enfin, de ne pas pécher contre toi. Lorsque tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, elle devient euh, du gaz contre le péché. Et tu Quand tu veux tomber dans le péché, le Saint-Esprit te rappelle un verset biblique que tu as lu dans la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu dans ton cœur, tu deviens allergique au péché. Tu n'as point le désir de pécher. Mais si tu, tu, tu remplis ton cœur des de, de choses de ce monde, qu'est-ce que le Saint-Esprit te rappellera Il font stocker la parole de Dieu dans ton cerveau, dans ton cœur, pour que le Saint-Esprit nous rappelle de saintes écritures lorsque nous sommes sur le point de pécher. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 17 verset 4: à la vie, à la vie des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Donc la parole de Dieu nous aidera à éviter les mauvaises fréquentations. Cher ami, ne néglige pas la parole de Dieu, ne la prends pas à la légère, obéis-la. Mets-la en pratique et n'écoute pas ceux qui te disent qu'un tel verset n'est pas à prendre au sérieux, qu'il s'agissait de, de dire de tel ou de tel. Prends la parole de Dieu à la légère. À, à, au sérieux plutôt. Nous lisons la parole de Dieu qui nous dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 8, la parole de Dieu nous avertit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vénétrompérie, tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur... Christ. Les gens vous diront, ce sont euh, la société fait, est ainsi faite. Et donc là, là dans, dans un pays dans lequel, dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est une croyance commune. Les gens font ça, ça ne fait rien. Et donc ça ne nous empêche pas d'être fidèles et d'adorer notre Dieu. Mais si nous ne voyons pas l'exemple de cette chose là, dans les, dans les saintes écritures. Il faut l'éloigner. Ne suivez pas les philosophies des hommes. Suivez plutôt la parole du Christ. Jésus nous dit dans Jean chapitre 12 au verset 48. C'est lui qui me rejette et qui me reçoit. C'est qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Au dernier jour. La parole que tu négliges, mon cher ami, c'est celle qui te jugera au dernier jour. Prions ensemble. Merci, notre Père Céleste, pour euh, ce moment précieux de voir, de découvrir la puissance de ta parole. Que ton Saint-Esprit nous aide à croître quotidiennement, à croître dans ta parole afin que nous puissions l'obéir, que ta parole nous transforme, au Père éternel, qu'elle nous sanctifie, afin que nous vainquions le péché, afin que nous obtenions la victoire sur le péché. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.